Un jour ou deux. Pense pas, hein? Avec jamais que 6 heures, peut-être, qu'on a accepté la quête. Il y a combien de temps qu'on a accepté la quête? Active. Accepté il y a un jour, pas deux. Ah non, tout juste. Ok. Ils me disent pas. C'est tout. Il n'y a que ça. 7, non, 7 plus. Sept plus cela. D'accord. Donc on va réveiller Libellule. Tu vas prendre un casque. Alors, un bon casque, normal, excellent. On va te mettre un casque excellent. Ok, on va également. Ils sont combien tous ces mecs? J'ai 25 et demi sur la piste. Ouais. Ok. On va maintenant les animaux, on va. On va les restreindre. Comment est-ce que je vais faire? Ouais, ils savent plus faire grand-chose. Hein. Certainement pas toi, bien sûr. Alors, on donne un petit peu de travail à l'intérieur. Et on va interdire la route qui aille dehors, quoi. Bon, pour l'instant, je veux que Libellule. Donc, ici, tous ces gens-là, je dois pouvoir, moi, les bloquer s'il y a besoin. Ici. Mais ce que je vais faire pour le moment, c'est fermer ceci. Et fermer celui-ci. Pourquoi je fais ça? Parce que tout ce que je veux faire, c'est les réveiller. C'est tout ce que je veux faire. J'en veux pas plus. Voilà. Mes cœurs, j'espère que tu me fais. Tu nettoies des déchets. Parce qu'il est 6 heures du matin. À 6 heures du matin, le nettoyage normalement se fait à 10 heures et à 21 heures. C'est 10 heures et 21 heures. Donc, tu n'as rien à faire d'aller nettoyer, mec. Ici, qu'est-ce qui se passe? Tu as fini tes 3 gilets, c'est pour ça. Ça me fait vraiment très plaisir, mon ami. C'est vrai, et je ne dis pas ça pour rire, hein, ça me fait vraiment très plaisir. Nous allons fabriquer. Il va me falloir une colonne vertébrale. Pour l'instant, ceci, je vais te suspendre. Mais j'ai aussi besoin de composants. Parce que j'en ai plus que 13. Et une colonne vertébrale. Combien ça me coûte ça? 4 composants avancés, 15 places assises, je peux pas le faire.
Ouais. Et donc, on va de nouveau... Là, je vais mettre quand même Baker, mais on va le suspendre. Hein. Enfoiré de libellule. Bon. Par contre, j'aurais plus que 13. Et tu reprends un 10. Ok, donc on va augmenter un petit peu notre réserve de nourriture. On va autoriser 2, déjà 2 en plus. Je serai plus qu'à 11 en composant. Et donc on va en faire pour faire un, deux, un autre. Voilà, 10. Ensuite, je vais couper pour l'instant. Je le désactive. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Que nous avons 302 et 137. Ok. Donc on a de nouveau quelques pièges qui sont prêts. Donc un piège, on va en construire quelques copies, bien sûr. Voilà. Et toi, on va juste désinstaller. Pour le moment, je ne veux pas sortir par là-bas. Ça, tout le monde a un peu de boulot. Je veux que Libellule est prête maintenant. Allez, mange, ma chérie. Et je veux également... Ma porte est faite. Éliminer ça, et je veux une porte en métal. Une copie ici dehors. Ce qui me donne comme température maintenant ici de 42 degrés. Ce qui est parfait. Dès qu'on aura terminé barré ceci, je devrais avoir un petit peu plus. Ouais, je pense. Ok. Ensuite, on va commencer à habiller nos personnages. Je veux que Grizzly prenne un casque bon. Je veux qu'Anarchiste prenne Master. Et je veux que Dan prenne le Master. Tu prends ça et puis tu prends ceci. Voilà déjà le début. Ensuite, nous avons Libellule qui transporte des blocs d'ardoise jusque là-bas et c'est très bien. Ensuite, ben tu transportes. Alors, nous allons faire mettre à tous les autres d'équerre. Tu veux un chapeau de cowboy en fourrure, ok. Et tu avais pour l'instant un chapeau de cowboy en fourrure de loup. Et tu veux changer de normal, tu veux en prendre un meilleur, un master. Mais c'est pas ça que tu vas faire, mec. Tu vas, j'ai besoin de récupérer, de voir tous les bits. Alors, nous avons, on peut passer notre souris au-dessus. Attends, on va faire comme ça. Souris. Mort. 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 Et mort.
sont pas tous morts. Toi, t'en as un sur qui est-ce? Ah, mais ils ont déjà mis. Donc lui, par contre, il a diplomate. Il a, normalement, il n'a pas le droit d'en avoir un. Normalement, il n'a pas le droit. Libellule devrait en avoir un. On va lui en mettre un. Grise dit non. Decker doit en avoir un. Donc il va en mettre un. Il va se mettre un. Ah bon. Voilà. Nous avons un archiste qui est occupé de mettre son bitule. Nous avons Maker qui est parfait. Nous avons Halo qui est parfait. Non, Halo. Oui. Éteint un gilet pare-balles excellent. Ok. Nous avons Vache qui a son gilet pare-balles aussi. C'est très bien. Dame est occupée de mettre son chapeau. Et Decker, il va me mettre ça qui est bon. Ok. Voilà. Je pense que tout ça va aller. Alors, il va me falloir des casques. Tous les casques. Donc, je voudrais que Decker, tu me mettes un casque et que tu me mettes voilà, ça comme ça. Ça, c'est Decker. Vache. Ouais, tu peux venir récolter. Non, tu vas d'abord mettre ton casque. Donc, tu viens ici, tu portes le casque. Allô. Tu n'es pas encore occupé, donc allô, tu vas me porter un casque. Je vais avoir un autre encore. Réservé par Necker. Montre-moi un peu ce qu'il y a comme casque. Il n'y a que ça. Bon. Ben, tu vas te prendre un casque normal alors. Necker. Allô. Normal. Voilà. Maker. Voilà. Et anarchiste, t'es occupé de mettre, tiens. Pourquoi? Parce que on va quand même se mettre ici. En réserve, parce que Miss Libellule est partie. Ok, Libellule, tu viens ici, ma belle. Alors, pour le moment, ça, je te laisse ouvert. Par contre, je veux te fermer ceci. Et je veux fermer ceci. Donc, Libellule, tu viens d'abord ici, ici, ici. Alors, anarchiste, tu as ça, un lot, il te faut une autre, il te faut une mitrailleuse, toi, maintenant, hein. Tu enfiles un casque renforcé, mais... Allô. Mais après, tu te prends un pistolet mitrailleur lourd. Voilà. Je veux que ça reste fermé. Parti. Stop.
Ok, mademoiselle, vous allez devoir tirer sur ces engins-là. Vous allez me faire ça très vite. Dites-moi que vous êtes capable de tirer jusque là-bas, mademoiselle. C'est très dangereux. Alors, regardons un petit peu Numbers pour voir tous les ennemis qu'on a. 25. J'aurais voulu qu'on me dise un petit peu ce qu'ils font, mais je ne sais pas si on peut le savoir maintenant. La rage, je m'en... Oui. J'ai besoin de savoir le current job. Voilà, on a les current jobs. Donc on prend uniquement, on verra bien. Alors, tous les humains. Qu'est-ce qu'ils ont de beau, tous ces gens-là? Pistolet mitrailleur lourd, normal. Lanceur de balles incendiaires, normal. Biocodé, pas de chance, je pourrais pas le récupérer. Fusil de précision, normal. Non, on s'en fout. Fusil de précision, normal. Des cocktails Molotov, tout ça, c'est pas important. Pistolet mitrailleur. Fusil à pompe, bon, automatique, ça c'est bien. Ils ont tous des biocodés, hein, ces petits salopards là. Ils font mal, hein, les biocodés. Plein de biocodés là. Lanceur de fumigène. Bien, parce qu'on ne devrait plus en faire. Hein. Et pistolet mitrailleur lourd, normal. Est-ce que dans tous ces gens là, j'ai quelqu'un qui m'intéresserait? Je ne veux que des femmes. Voilà. Donc, mâle. Mâle. Mâle et une femelle de 49 ans. Qui n'a pas de problème. Qui n'a pas de problème. Qui est boulimique. Donc elle mange 50% en plus, donc c'est comme si c'était une demi-personne en plus, c'est pas trop grave. Elle est gâchette facile, ça ne me dérange pas du tout. Un peu moins de précision, mais comme on tire tout près, il faut pas, surtout pas lui mettre un truc. Malheureusement, bon, elle est pas géniale, mais à part ça, c'est bien. Et sanguinaire, elle peut aller, oui. Par contre, elle est deux fois plus susceptible de commencer une bagarre. C'est moins intéressant. On va continuer, on va aller regarder les autres. Y aurait-il une autre femelle intéressante? Un mâle, et une femelle de 44 ans, qui a une, on s'en fout, l'ambroisie, ça part très vite. Oui, alors, oh, par contre, il y a Cupide, mais ça, c'est pas très important. Névrosé, je peux tenir. C'est même très bien, je dirais. Et une volonté de fer qui compense sans problème les 8% là et les moins, avec moitié. Donc, c'est parfait. Elle ne peut pas faire d'artistique, c'est pas important. Dommage pour la diplomatie. Mais c'est que diplomatie, hein. Que joli. Donc elle peut quand même recevoir des points avec les gens. Oui, on a du bavardage quand même. Ok, elle pourrait être... Elle est à prendre, 44 ans. 12 en tir, j'ai besoin de bons tireurs. J'ai aussi besoin de bons mêlés, donc tout ça fonctionne. Tout le reste, on s'en fout. J'ai ce qu'il faut, voilà. Isabelle Grump, on va te renommer. Est-ce que... Ah, j'ai peut-être pas le droit de te renommer. Non, j'ai pas le droit de te renommer. Donc on sait qu'on en a une, Isabelle.
Ensuite, le pack suivant. Et on va vérifier d'ailleurs si les ennemis fuient par vague, donc par pack d'où ils viennent, hein, comme d'habitude. Donc on va déjà se mettre dans bio tout de suite. Hein. Non, c'est chiant. Alors, un autre mâle. Très bien. Hein. Dommage. Il était très bien ce garçon. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de choses. Femelle de 46 ans. Ça, c'est pas un problème. Elle a de la résistance psychique. Donc, elle ne pourra jamais devenir un noble. Faut pas, surtout pas la faire devenir noble, bien entendu. Sinon, ça marchera pas. Par contre, ça, c'est moins 25, c'est pas trop grave. Et cannibale, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que comme on ne fait pas de manger, le cannibale, elle pourrait être prise aussi. Mais elle n'a rien du tout là-bas. Je sais plus l'autre, elle avait. Ouais, celle-ci était nettement meilleure. Hein. Ouais. Nettement meilleure. Nettement meilleure. Ok. T'as l'air d'une gonzesse, toi. Femelle âgée 50 ans. Pyromane, au revoir. Ouais, j'ai pas besoin, de toute façon. Femelle, 29 ans. Ah, 50 tirs. Homme fantôme. Ouh, petit dormeur. Ouh, optimiste. Ouh. Je crois que. Notre choix est fait. Notre choix est fait. Il s'agit de Cameron Alumbolf, 29 ans. Que des traits positifs. Que du trait positif. Elle va faire du minage, donc ça tombe bien qu'elle soit dans le noir. Donc c'est parfait. 50 tirs. Mais bon. C'est toi, ma belle, si je peux choisir, ça va être toi. Cameron Olof. Ici, mâle, toi non. Et enfin, une autre femelle. Bonne mémoire. Elle serait bien aussi, mais très bonne en sociabilité, oui. Mais comme tu peux pas faire de soins, c'est pas la peine de t'utiliser. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense. On a fait le tour. Donc, je veux celle-là. Cameron. Et si possible, une deuxième. Hein, si on peut prendre les deux. Si on peut prendre les deux, c'est Cameron et. Et ils sont tous les deux avec du pistolet, du fusil à pompe automatique. Ok. Bon. Libellule, réveille-moi un petit peu ces petits jeunes. S'il te plaît. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils vont rester autour. Voilà. Elle surveille. Maintenant, tu vas tirer ma bûche. On tire sur celui-ci. Ok, on suit ça. Là, tu le touches, ce qui n'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Ben parce que il est couché par terre. En plus, elle a avec son lumbago à la con. Hein, avec son lumbago à la con. Elle a 7% et demi. Voici la terre, vous divisez par 5. Hein. Et donc elle n'a que 37% en compétence de tir. Elle n'est pas douée. Hein. Par contre, l'arme, on tire à bonne distance. Bon, il faut peut-être que je surveille un petit peu mes autres quêtes, là. Peut-être pas tout de suite, non, ça va. Est-ce que tout le monde est bien avec son casque? Ouais. Il y a que chauffe, mais chauffe, c'est pas grave, pour le moment.
Au fait, ça maintenant tu me donnes du combien? C'est toujours du faible, hein? Ouais, c'est toujours du faible. Ah, libre. Bute-moi ce truc. Enfin, touche. Essaye de toucher. Moi, quoi. Bien, monsieur. Bon. Madame. Okay. Okay. Ah, il faut que je réveille ce truc avant que... Bon, maintenant, si j'avance 3-4 cases, on a bien tout fermé, hein? Bon, libellule, tu vas avancer. De 2 cases. Alors, voilà, je dépose ton truc et viens te mettre vache. Viens te mettre ici. Libellule, tu vas tirer ici dessus. Est-ce que tu peux? Oui. Maintenant, libellule, tu viens ici. Et tu fermes la porte. Cette porte-ci va être maintenue ouverte. Alors, toi, tu tires avec quoi? Tu tires avec un fusil, un lanceur de fumigène. Ça ne me dérange pas.
En gros, il y a les libellules, hein. Parce que c'est dangereux, hein, ma chère enfant. Bien, bien. Ça, ça reste ouvert. Ok. Alors, Dame, tu reviens ici. Non, tu restes là. Dame, tu stops, tu restes là. Tu bouges plus. L'autre, Artichaut, Artichaut l'anarchiste, va ici. Il y en a beaucoup qui attaquent Vache. Bien, plutôt ici, ma chérie, pour le moment. Bah, elle se fait toucher. Bon, le premier est dur mort, là. Vache, t'as réussi à te faire toucher, ma biche. Une petite constitution qui ne fait aucun problème. Alors, vous autres, vous attaquez. Vache, mais vous ne pouvez plus la toucher, logiquement. Ne peut pas toucher la cible. Et tu as la possibilité de toucher. Vache. Ok. Vache. Tu touches quoi? Tu tires sur Dax. Alors, Dax. Dax, c'est une exploratrice. Votre santé, ma belle, aussi. Au fait, vous êtes comment? Vous êtes toxicomaniaque. Et donc, vous ne m'intéressez pas, mademoiselle. On vient de tuer qui d'autre? Une femelle noctambule aimable. Noctambule, c'est intéressant. Pas trop. Par contre, elle n'est pas pénalisée par l'obscurité, et ça c'est très intéressant, d'autant plus. Mais Omtop aussi n'est pas pénalisé, si je ne me trompe pas. C'est assez pratique. Hein. Par contre, on ne peut pas faire de travaux manuels de nouveau. Ça fait quand même un sacré paquet de choses en moins. Mais c'était une bonne emmêlée. Mais donc, comme je dis, elle est morte de toute façon. On ne peut rien y faire, hein, la pauvre. Bon, toi, tu viens nous attaquer, Grizzly, ok. Toi, tu attaques Vache. Tu te déplaces. Toi, Enrique, t'es mort, déjà. Je sais pas comment t'es mort, toi, au fait. T'es mort de quoi? Fusil à pompe de Maker. Ok, ok, ok. Toi, tu attaques qui, toi? Tu attaques Grizzly, qui est blessé, Grizzly. Grizzly est blessé. Alors, c'est une fracture et une contusion. Malheureusement, elle vient de perdre énormément. Genre, je touche en mêlée 85, quand même, encore. Et donc, ça, c'est bien, c'est qui? C'est Godrift. Eh bien, c'est pas évident, ça. Kerr vient de se faire prendre. Bam.
anarchiste. On est ici. Donc tu viens là. Decker, comment es-tu? Jambe gauche. Ouh, t'es bien abîmé là. Tu viens ici. Et tu te mets en self et tu te soignes. Alors, les mélules est toujours occupée de courir. Vache n'a été touchée qu'une fois. Bien. J'ai quelques problèmes. Vache. Ok. Toujours bon. Ici, celui-ci, il fait quoi? Il attaque Maker avec ce truc-là. Ça. Ok. Et ça. Ok, maintenant ils veulent s'enfuir. Donc qui est-ce qui s'enfuit? C'est fuite de panique. Fuite de panique. Fuite de panique. Vous voyez, c'est tout le groupe ici qui veut s'enfuir. Donc on va laisser la porte ouverte quelques instants. Et on va les laisser aller dire bonjour. Je suis un peu vicieux. Je suis un peu vicieux. Je le reconnais. Donc, cette personne-ci n'est pas morte. Et c'est un mâle humain. Il est mort dans 5 heures. Donc on va faire ceci. Et on va faire la même chose. Voilà. Ici aussi. Ok. Médical, hein. Oh, c'est bien fait toucher quand même. Pas trop, hein, mais. Petite taillade au couteau. Ok. Alors, comme je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse? Une femelle.
moi que c'est toi qui es boulimique. Toi, je... ça c'est bien, mais entre vous mélanger et pyromane, on t'oublie. Je voudrais que tu ailles te soigner, Decker. Ici, il n'y a plus personne, hein? Oh. Oh. Agile et robuste. Vous êtes bien, mademoiselle. Vous êtes bien, donc, hein? Vous êtes bien. Ben ouais, vous êtes bien, donc, hein? Ça vous fout de l'artistique, c'est tout, donc, hein? Puis, je m'en fous aussi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de la mêlée. J'ai de la mêlée. J'ai du ménage. Ouais, tout ça, c'est... Tu sais pas faire grand-chose d'autre. Mais, oui. Agile et robuste. Agile et robuste. Excellent. Je veux dire, c'est excellent. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu n'as pas de problème. Alors, c'est laquelle la meilleure? Est-ce que c'est elle, donc, et toi? Toi aussi, tu es sublime. Tu n'as pas de ça, mais tu as de l'artisanat en double. Ouais, j'ai pas besoin, mais ça, ça m'intéresse bien aussi. Les deux sont parfaits, bien que celle-ci est un petit peu moins bien. Waouh, Sky, femelle, 22 ans. Ah, perspicace, robuste, chétif. Waouh, vous êtes tous géniaux, les enfants. Vous êtes tous géniaux. Vous êtes toutes géniales, excusez-moi, mesdames. Vous êtes toutes géniales. Ah. Perspicace, robuste. Oh, ça, chétif, ouais, ok. On connaît, hein. On connaît, on fera de la pénoxycilline et puis c'est bon, hein. On aura la peine. Bon, on veut qui? Qui est-ce qu'on veut? Les Cali, je crois que c'est fait, hein, toi? Bonne mémoire, petite dormeuse, homme-femme taupe, mais moins bonne en gros. Glessie, c'est une femme aussi? Non, hein. Non, certainement pas. Non. Incisif, non. Je crois que... Ouais, 22 ans, femelle. T'as tout pour toi. Très bonne médecine, en plus. Construction, on va pas se plaindre. Et tu pourras tirer et faire de la mêlée. Tu pourras faire les deux. Avec pour moi une prédomine. Quand tu auras besoin, ben, tu feras de la mêlée. Quand j'aurai suffisamment, j'aurai deux groupes de trois. Quand j'en aurai six. Et que j'aurai assez d'armure. C'est vous, mademoiselle. Ça, vous, mademoiselle. Qui déjà? Monsieur le chauve.
Vous voulez enterrer Dax, hein? C'est une bonne idée. Vous allez juste d'abord m'activer ceci. Je crois que c'est sur Sky, hein. Et donc c'est bien Sky, hein, je ne me trompe pas. Ouais, mais les 7. Bon, c'est vrai que l'autre est sublime avec, hein. Mais l'autre, on va... Oui, celui-là, mais c'est qui l'autre? Robuste agile. L'autre femelle ici. Celle-ci me la faut aussi, si possible. Robuste et agile. Les deux. Allez, on va essayer de t'attraper. Bam. Certainement pas toi, hein. On a dit que c'était toi. Non, on a dit que c'était Sainte. Synth. Ok. Anarchiste, tu t'es fait taper dessus, mon petit. Donc, 2 points par le couteau, 1.8. Il a réussi à transpercer, il a eu beaucoup de chance. Hein. Le mec, il a eu beaucoup de chance, mais il a pu faire que la moitié des dégâts. Mais il a pu passer mon armure de reconnaissance et tout ça avec, non pas de la perforation, mais... l'inverse, le contondant, contusion et écrasement. Ça, t'es un sacré enfoiré, toi. Hein? Ok, vache, tu me tires sur Synth. Non, tu viens ici. Et tu tires sur Synth. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils errent. Ok. Vous avez erré, mes gars. Alors, moi, je voudrais bien vite fait. Vite fait. Où est-ce qu'elle est, Synth? Ah ouais, le chauffe est occupé, ok. On va soigner nos personnes. Donc en laissant la porte ouverte, ils vont sortir, hein. On va les laisser aller. Donc toi, tu joues au sol, c'est Sky. Kali, t'es dans quel état? Bleeding out. Tu avances encore à 73, il te reste 51% de ta vie. Donc toi, c'est bien toi que je voulais. Perspicace, c'est du robuste, ok. Bam, viens chercher, tu me captures. Cette personne. Libellule, tu es occupé de tirer sur glace. Tu peux tirer dessus sans problème. Alors toi, ta conscience est où? Douleur sévère. Mais elle est encore bonne.
Mes armes sont un peu trop fortes pour lui. Ok, donc les autres pirates s'amènent aussi maintenant. Libellule, tu vas venir attaquer, je crois que c'est Synthé hein, qu'il faut que je prenne. Robuste et agile, ouais. Toi, tu viens, attaque de mêlée sur lui. Toi, bio, t'étais sympa aussi, belle femelle aussi. Ok. Mais bon, je peux pas tout prendre hein, non plus. Karen, elle avait rien pour elle, hein. Je crois que c'était... Ouais, elle avait rien pour elle. Ok. Donc, j'ai Dan qui est parti chercher mes bidules. Le chauve était parti enterrer quelqu'un. Oui, désolé les petits gars, mais vous allez devoir bouger votre derrière. Hein. Donc, Decker, tu vas te soigner. T'es soigné ou pas? Tu te soignes. Decker. Tu viens ici. Viens ici. Maker. Bouge ton derrière, viens ici. Anarchiste, bougez-vous les gars. Que je vois quelque chose. Ah. Est-ce que t'en es calé? Et Sainte. Ah, c'est enfoui. Ils arrivent à fuir et ils ne fuient pas du mauvais côté. Bon, tant pis. T'attends ou pas? Non. Ok, tu viens vite ici, ma belle. On rentre. On ferme. Ensuite. Bon, ben les autres me donnent un coup, hein, c'est bien. On verra ce qui nous restera. Vache, tu t'es soigné, je crois. Anarchiste. Decker.
va te reposer. Non, tu vas pas te reposer, tu vas te soigner. Paris soigne d'équerre. Alors, allô. Est-ce que tu es bon en médecine? Tu viens. D'accord. Ouais, c'est aussi long là que d'aller autre part, quoi. Hein? On va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Bien sûr, on va faire comme ça. Vache, tu reviens. Libellule, tu rentres ici. Libellule, je veux que tu viennes ouvrir ceci. Voilà, on va commencer à venir par ici. Et s'il y a besoin, par après, on retravaillera sur ceci. Donc j'ai bien dit que je voulais voir ça fermé. Je veux le voir fermé. Dès qu'il y a heure, t'es occupé de te soigner. Toi, tu vas là. Donc c'est tac, tac. Non, tu viens dans ton lit. Maker. Voilà, maker. Tu viens ici. Tu te soignes. Vache. Ça, c'est fini, c'est mort, hein, je suppose. Mort dans 4 heures. On va pouvoir te donner, mais je suis pas sûr que j'ai envie de te donner. Pour le moment, tu me jetais, c'est là pour l'instant, je suis pas pressé avec toi. Donc vache, viens vite me faire ça. Qu'on reste pas trop longtemps avec toutes ces bestioles là. Allô, que fais-tu? Tu transportes de la viande de poulet, hein? Mais tu es un bon médecin. Bon, anarchiste. Tu viens vite ici dans ton lit. Anarchiste, tu fonces ici. Ouais. Ok, voilà. Ok, alors on a Grizzly qui est aussi, qui a plein de conditions. Ah là 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 là.
Donc logiquement, ça doit se fermer. All right. Ça, il faut que je le laisse ouvert. All right. Et comme j'ai quand même pas mal de monde de prix, tu vas revenir ici, ma belle. Voilà. Ils n'ont qu'à se battre entre eux. Mais ça m'a l'air parfaitement bien. Donc lui, il veut aller où? Il se déplace tout court, hein, donc il peut rien y faire. Donc ça, j'ai pas vraiment besoin de le garder maintenant présent. On va te mettre ici. Mais pas avec ça. Avec ça. Ok, vache, je voudrais que tu viennes soigner. Bon, Decker, t'es presque soigné. Vache, viens ici, ma chérie. Viens ici. Bam. Par contre, t'as plus rien à foutre là. Si, t'as quelque chose à faire, mais c'est venir ici, Bam. Et tu viens ici, Dan. Allô? Ben, allô, tu es dans ton matos, hein? Tu viens donc... allô, tu es médecin. Tu es médecin, allô. Donc viens plutôt ici, allô. Vache, tu viens vite. Ici. Alors, c'est ma vieille blessure, c'est le bras droit. Et t'as réussi à venir m'emmerder sur la gauche. C'est bien. Donc, on va pas faire comme ça. Grizzly, ton lit va rester normal. Grizzly, tu viens ici, ma biche. Chauve, tu vas ma chérie, si je te mets ici, ça, je le mets comme ça, je peux envoyer Grizzly ici. Et comme c'est du terrain correct, il ne va pas être trop abîmé. Ce qui va me permettre de pouvoir garder Vache dans le coin par ici. C'est important. Les bellules. Elle va se positionner ici. Genre, toi, tu vas attirer les gens et déjà et les transporter. Alors, on va te laisser faire déjà pour le moment là. Il va falloir que tu m'enlèves tous ces gens-là. Bon, ben tu vas creuser. Qu'on n'ait pas 50 km à faire. Voilà.
maker anarchiste, Decker au niveau, ça va, c'est que les jambes, t'es occupé de te finir, ok. Stop. Alors, on va regarder ce qui se passe, hein, mais je veux que toi, tu me soignes, anarchiste. Alors, qui est-ce qui se passe? Kali, tu te déplaces, ok. Puis je te veux bien, hein, toi, hein, comme je disais. Il va y avoir quelques morts, les autres, il y en a qui fuient, il y en a qui se battent, il y en a un qui vient de se faire bouffer la moitié d'une jambe, sans doute. Ok, mais on est bien là. Un, deux personnages, il me faut, mais Dan est parti s'occuper du centre. Il m'en faudra d'autres, bien entendu. Decker a bientôt terminé. Allô, me fait archiste. Donc toi, tu te termines et tu viens vite me faire maker. Dès que t'as fini. Je sais pas, non, je t'avais du culture d'oiseau. Decker, ok. Et ensuite, tu viens me soigner d'urgence, maker artificier. Maker artificier à quoi? Torse, bras, c'est très important pour moi, donc il va prendre quand même les médocs. Ils sont pas loin, ils sont là, ce qui me va. Anarchiste va être soigné, ça va être fini. Lily va être soigné sur place. Alors, risque de démence pour Dan. Le temps, mon petit Dan. Dan. Que passe en Médigno? Ouais, t'as vu des cadavres. Bon, effectivement, il y a un drone psychique qui nous embête un petit peu, mais c'est pas. Ça va, hein? Visez-moi un peu là. Alors, ça tire, hein. Alors les autres se protègent là pour tirer contre des trucs, je m'en fous totalement. Lui il attaque une petite sculpture, il veut vraiment venir me dire bonjour. Mais bon, il va avoir un petit peu de surprise, hein, quand même. Bien. Voilà, ça se passe bien. Alors, est-ce que tu vas arriver au bout, Sainte? Mal, hein. Non, toi, t'es vraiment trop. C'est dommage, hein, travailleur, c'est pas à vous plaindre, hein, c'est parfait, hein. Côte masochiste, il va demander à avoir mal, quoi, tout le temps. Mais bon, lui, il vaut pas grand chose. Normalement, tu dois. Alors, matériel. Je veux savoir vos matériels. Vous, mon ami, vous n'avez pas de matériel. Vous, vous avez un gilet pare-balles normal. Donc, le gilet pare-balles, on va essayer de le déshabiller. Vous. Vous êtes déshabillé. Et vous, on va vous déshabiller aussi. Comme ça, je pourrais les revendre au moins. C'est pas grand chose, hein, mais. Surtout qu'ils sont plus en très bon état.
ben c'est bon quoi. Comme tout le monde, mademoiselle. Comme tout le monde. Ok, Allo est occupé de me soigner. Anarchiste. Becker est parti soigner Maker. Grizzly arrive sur place. Vous, votre matos, il est pantalon renforcé, casque en uranium. Yeah. Yes. Ouais, c'est bien ça. Ok. Alors, vous me tuez des bestioles, hein? Vous en avez tué une, c'est tout? Vous êtes quand même des sacrés feignasses, hein, les gars. Vache, soigne. Alors, les autres pirates s'enfuient. Donc c'est la deuxième bande qui s'enfuit. Par contre, ceux-là, ils ne s'enfuient pas. Ceci, il y en a un qui s'enfuit et l'autre qui est toujours là. Donc c'est la deuxième, la deuxième bande qui va attaquer et puis il reste la troisième. Hein. Mais c'est bien. Bon, il y en a qui vont souffrir là. Hein. Je pense que toi, t'es... Oh, ils m'en ont tué trois. Excellent. Quatre. Excellent. Mes pauvres enfants, vous êtes dans un mauvais état, hein? Alors, on regarde. Maker. T'es parti. Soigner ton copain. Jean. Faut pas y dormir, hein, mon petit. Hein. Non, hein, quand même pas. Hein. Ils aiment transporter tous ces petits gens-là. Hein. Ah, ça ne va pas. Ce qui veut dire que j'ai besoin que je puisse mettre des humanoïdes, y compris tous, ouais. Mais enfin, pourquoi tu... On va déjà les mettre au parc dans mes yeux. Ah, quel con, c'est bourré. Est-ce que je peux l'enterrer? Cadavre d'humain. Corps d'étranger, corps de colon. Donc tu devrais me les prendre. Hein. D'accord, je sais. Là, c'est importante et ici, c'est critique. Donc, haute critique.
critique. Bien, Jean, est-ce que tu peux maintenant enfouissement? Ok. Et ensuite, on va en refaire des comme ça. Déjà, on va copier les paramètres et on va construire des copies. Pas trop le choix, hein. Il y a 3, on va t'en mettre un ou deux en plus, hein. On les videra après. Ça, il a quoi sur lui? On va... Ok. Ben, je pense qu'ils vont fuir. Hein. Il ne va pas rester grand-chose de toute cette bande de cauchemars-là. En fait, maintenant, ils n'ont plus qu'à se battre contre... Il n'y en a plus, là-bas. Ils vont se battre contre ceux-ci, maintenant. Ouais, c'est bien. Pas sûr que glace tu arrives au bout. Dans 3 heures t'es mort. T'avances plus, hein. Ah ouais, t'as perdu le poumon. T'as perdu une jambe. Une insolation. Température ici il fait 25, ici il fait 27. Anarchiste, est-ce que tu es soigné? Tu es soigné. Très mal, mais tu es soigné. Donc, tu vas te lever. Voilà. Et tu viens... avec moi, tu vas manger. Donc, tu vas manger. Tu vas manger ta faim. Grizzly, tu es soigné? N'est pas mal soigné du tout, malgré que tu n'aies pas eu de médicaments. Et j'en suis très content. Merci, vache, de t'être occupé de notre ami de cette manière. Donc ça, on va démolir. Grizzly, on va se lever. Attaquer un interrupteur au corps à corps. Ok, donc tu vas te prendre quand même un petit problème dans le nez si tu viens jusqu'ici. Surtout que tu as un fusil qui tire pas bien du tout. Tu devrais te faire buter d'ici avant, bien avant. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carabine demande, toujours comme ça qu'il faut regarder aussi, cette carabine a besoin, avant de pouvoir commencer à tirer, de 1.7 d'échauffement. Voilà. 1.7. Pendant ce temps-là, moi, j'ai besoin de... Deux secondes. Enfin, bon, on verra bien, hein, mais... ouais. Et celle-ci, même chose, elle tire beaucoup plus vite, hein. 0.9. Donc c'est la moitié de temps qu'il me faut pour tirer au pistolet mitrailleur lourd. Donc je vais lui envoyer 2 rafales, presque, avant qu'il n'ait pu m'en tirer une seule. Mais bon, comme il va déjà se faire prendre de Grizzly et Dan dans le nez, il ne devrait pas arriver très loin. Ensuite, on a récupéré Decker. Tu as soigné Monsieur Maker. Tu as bien soigné Monsieur Maker. Par contre, il te manque, et là, on pouvait rien y faire, c'était au torse, c'était avant. Ok. Decker, que vas-tu faire? Tu voudras aller te reposer. Mais tu as encore 96 de manip, hein, toi? Donc, tu peux encore tirer. Tu peux très bien tirer. Allô? Toi, tu n'as strictement rien?
Ok, vache. T'es parti te reposer, on suppose. On requiert un traitement immédiat. On va te le donner. Voilà, il sent, tout le monde s'enfuit. Auto-soin. Auto-soin. Voilà. Alors, il s'enfuit, mais il reste quoi? Oh, oh, oh. Dans le bras. T'es qui, toi? Magnifique écargue. Pas tout, rien qui est intéressant pour toi. Donc voilà la troisième vague, voilà le troisième raid. Hein. Donc là, il nous dit se rendre sur les lieux. Bon, ben oui. Ah, t'es encore vivant, toi. Donc ils n'ont pas encore terminé ici. Ok, tu attaques le piqué. C'est bien, tu t'es bien caché et tout. Je suis content pour toi. Et toi aussi. Avec quoi tu attaques? Avec ton fusil à... Ah, ok, c'est bien. Oui, c'est les deux seuls qui peuvent faire ça. Hein. Précision aussi, précision aussi. Ok. Et on a un copain qui vient nous dire bonjour ici. Ok, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait un copain qui vient dire bonjour. Anarchiste. Ok, mange. On va regarder ce que ça nous donne. Je devrais avoir assez avec ça. Note que j'aurais pu avec les libellules. Et puis tu vas ici. Voilà. Et voilà. J'adore quand ça se met comme ça. Bon, c'est quand même pris, je sais pas combien d'ennemis. Je sais pas combien d'ennemis on avait. On avait une bonne chier, ça c'est sûr. Parce que donc on en a 12 d'ennemis, plus les corps. Ouais, plus les derniers corps. Hein. Donc les derniers corps, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16, si je ne me trompe. Ah, pas sûr. Non, on va les prendre par la Forbidden. Voilà, donc tout cela normalement, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, enfin oui c'est les lanciers, 23, 24, 25, 26, 27, et tous les autres normalement c'est fini, sauf toi, qui est ici avec nous, et c'est tout. Et ici. Bon, on a un peu plus de monde, ça c'est sûr. Alors, risque de démence majeure pour Dan. Ok. Donc cette personne-ci est une femelle. Chouan. Qui ne doit pas m'intéresser, je pense. Elle ne va pas me faire grand chose, mais elle est cannibale. Soyez surveillant. Bon, on va te soigner de toute façon. De toute façon, on va te soigner. Qui est-ce qui peut encore nous attaquer après? Ben, une et deux, là, toujours. Mais à mon avis, ils ne vont pas le faire longtemps. On va envoyer quelqu'un. On va envoyer Chauve. Viens me capturer, Bud. Dan, ton problème, ta faim, de toute façon, on va te libérer.
Chris dit, on va te libérer, et Libellule, on va te libérer. Pour l'instant, on va tous vous libérer. Je pense pas qu'ils vont pouvoir... Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir s'occuper là-bas de tuer. Ils vont pas y arriver. Voilà, ils s'enfuient. Donc on est tranquille de ce côté-là. On aura perdu un piège en tout et pour tout dans l'attaque. Et c'est bien. On aura utilisé notre... Qu'est-ce que c'est qui revient maintenant? C'est quoi ça? Un autre. Oui, non. Ne me dis pas que... Il y en a... Qu'est-ce que c'est qui arrive, là? Ah, j'ai gagné. D'accord. Ah oui. Ok. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Voilà, Bud, tu as quoi comme matériel? Ouh, en synthé! Ouh, c'est bien en synthé. Oh, on va pouvoir te déshabiller de toute façon. Ok, les autres, ils rentrent un petit peu soignés. Libellule, tu fais quoi? Tu te reposes. J'aurais voulu que tu déshabilles. Et puis que tu... Ah, l'autre est morte, elle est finie, je veux dire. C'est mort ? C'est pas mort. 3 heures. Est-ce que tu m'intéressais ? Pas du tout. Ça, je veux pas. En plus, on peut rien faire. C'est un gigolo, ben voilà. Ben voilà, t'es gigolo, t'as gagné ton boulot de gigolo, mec. Alors, fallait pas traficoter, profiter des gonzesses. C'est pas bien. Et vous autres, vous faites quoi? Vous attaquez 2 mecs. Sévin, qui ferait mieux de continuer d'attaquer. Mais dites donc. Donc ce qu'on voit arriver là, c'est notre petit cadeau. C'est notre petit cadeau. Voilà. Ça c'est quoi? Donc, comme je disais, je ne veux pas te garder, toi. Hein, parce que tu es masochiste. Donc tu meurs. Tu meurs dans 2 heures. Ça sera parfait pour moi. Que je t'aurais bien piqué quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait te mettre Bon, ça c'est Lee Grizzly, mon cher. C'est fini. Grizzly et chauffe. D'équerre. Grizzly, d'équerre. Non, je ne sais plus. Qui couche avec qui? Qui couche avec qui? Qui couche avec qui? Mon mari Grizzly. Ma femme Grizzly. Le chauffe Grizzly. Libellule d'équerre. Donc, d'équerre, tu vas aller dans ton pieu à toi. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que tout le monde est bien soigné? Soigné. Mal soigné, mais soigné. T'as la jambe gauche, tu vas avoir mal à la jambe gauche. Torse, ça va. Mes cœurs,
assez bien soigné, je veux dire. C'est surtout celui-là qui m'apporte. Et anarchiste, ça ne devrait pas laisser de problème. 13 sur 14, 35 sur 36. Tu devrais d'ailleurs pouvoir te lever très vite. Donc, anarchiste, on va démobiliser. Tu vas manger. Et tout le monde est démobilisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des zones de travail? Oui, il se dit. On te fout la paix. Decker, on te fout la paix. Dan, t'es très loin. T'es très loin. Vite avant que tu ne pètes les plombs. Pourquoi est-ce que tu me pètes les plombs comme ça? Pour bêtement, ouais. 12, ça fait à peu près 20 points. Et puis t'as eu ta chaud. Donc, est-ce qu'il fait chaud là? Il fait 18 degrés. Ici, est-ce qu'il fait chaud? Donc ça, on va t'envoyer ici. Voilà. Et on affecte aux prisonniers. Et je demanderai à Grizzly. Et donc ici, ça, pardon, c'est plus affecté aux prisonniers. Voilà. Notre récompense de titre est arrivée. Grizzly. Donc on a une chambre. Normalement, il y a quelqu'un qui va aller le récupérer, logiquement. Chauffe, tu vas où? Non. Voilà. Je te priorise, et ensuite, tu me foutras ces mecs. C'est qui ça? Elle était morte, hein? Non, elle n'est pas morte. On la prend ou pas? Bonne mémoire, même elle. Ouais. Capable de soins, ouais. Mais on fait de garder, je vois pas le problème. Ok. Pour un deuxième lit. Ben voilà. Voilà, prisonnier. Médical. Et je veux qu'on... Ben, on capture. Bellule. Chauve, tu fais quoi? Tu escortes. Piton va mettre la libellule capturée alors. Voilà. Et Grizzly, tu vas vite me remballer ce petit cadavre là si tu veux bien. Transport. D'accord. Ouais. Ça c'est fait. Ensuite, anarchiste est parti où? Tu voudrais aller te reposer. Parce qu'il est, il a l'heure d'aller se reposer et que il n'y a plus de lit pour toi. Parce que Vache est parti dans ton lit. Dès qu'il y a une libellule, le chauve Grizzly. Dan, Maker, Allo, Vache, il me manque un pieu. Et donc, va déjà dormir là. Ça ne me dérange pas. Tu
tu t'es mis dans un lit, du moment qu'il y en a deux, c'est bien. Le chauffe, tu es parti conduire notre petite personne là-bas. Il y en a un autre qui est parti conduire ça, c'est Libellule. Chris dit, après tu m'en fais une deuxième et une troisième. Et ensuite tu iras. On verra. On verra à ce moment-là. Ça, c'est fini, hein, le raid. Voilà, c'est fini. Allez dans l'historique, c'est bon. Eh ben, je suis pas mécontent. Je ne suis pas mécontent. On n'a pas vraiment des petites blessures de pas grand-chose. Voilà, on commence à nettoyer. Là, il n'y a plus de mort. Et c'est de ma faute un petit peu. Hein. C'est ici. Si j'avais fait ça plus tôt, d'ailleurs, on va l'autoriser. On n'aurait pas été blessé. On a eu tous nos blessés ici, à peu près. Qui ont reçu des balles, des petites balles, des couteaux. Et ceci va permettre justement qu'on ne puisse plus tirer sur le mec qui attend ici, ni sur ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière ne vont pas effectivement pouvoir tirer sur des mecs qui sont là, par exemple. Mais on s'en fout, puisqu'ils vont devoir, ceux-là vont se rapprocher, dans tous les cas. Et donc, voilà mon sentiment. Est-ce que tu peux enfouir? Voilà, merci. On se sent beaucoup mieux après. Merci. Bon. Tous les morts sont en boîte. Et on va pouvoir prendre tout ce qui est... tout ce qui est à nettoyer, tout ce qui est à récupérer, tout ce qui est à soigner, tout ce qui est à terminer ici. Par contre, il va falloir quand même un de ces jours que... Donc t'as pas pu aller jusqu'au bout, mon pauvre ami. 7 heures. Et toi, tu es comment? Psychopathe, voix agaçante, invitant. Mais je n'ai pas besoin de toi. On va se reposer et on va attaquer ces petits trucs-ci. Je pense qu'il n'y en a aucun abîmé, hein, non? Il y en a un qui a une blessure. De 25% quand même, ce qui est pas mal. Alors, pour attaquer ces trucs-là, ben, on les fera demain. On va d'abord se refaire notre petite santé. Ça, il faut absolument que ça disparaisse de là. Hein? Et donc, c'est bien un anarchiste qui va me faire ça. Voilà, merci mon ami. Voilà. Important pour que la porte puisse la fermer. Bon. Il n'y a plus que 5 lanciers. Vache est totalement guéri. Est-ce qu'il lui reste une cicatrice? C'est ça qui m'importe, moi. Pas de cicatrice. Grizzly. Ça devrait venir vite. Decker. Jambe gauche, elle est loin. Hein? 8 de 30. Waouh. Plus de tibia que moi. Ouais. Ok, Maker. Donc, vache, c'est fait. Allô, pas de problème. Maker. Tu vas bien te soigner, hein, mon petit, toi. Hein? Hein, que tu vas bien te soigner. Et anarchiste, t'es totalement guéri, c'est génial. Ok, est-ce qu'on est toujours en faible? C'est toujours du faible. Donc, on va demander d'abord à anarchiste qui est ici, dès qu'il a fini.
Dès qu'il a fini, il va se mettre un petit chapeau sur la tête. Ainsi que Bam va aussi se mettre un petit chapeau sur la tête. Il faut que tu ailles manger. Donc, un autre chapeau. Il est ici. Voilà, tu prends d'abord ça. Voilà, ça déjà, tu n'auras pas les bouche-pain dans le nez. Ça, c'est important pour moi. Ok, c'est bien les pelules. Bon, une fois que tous ces trucs-là sont abîmés, on mettra tout, on ouvrira les tombes. Hein. Il y a du boulot à récupérer, là. Il y a plein de trucs à récupérer. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Hein, deux médicaments. Non, de l'ambroisie, c'est sympa aussi, l'ambroisie. Ça fait beaucoup de bien, l'ambroisie. Mais bon, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je dis, ah bon, ben, bien sûr. Alors, donc, là, c'est ouvert. Donc, du moment qu'il y a une porte ouverte, c'est bon. Par contre, il va falloir que j'ouvre ceci. Maintenir ouvert, ok. Donc, quand j'ai quelqu'un qui peut le faire, comme Libellule, qui n'a rien à faire de spécial. Maladie grave. Ça, ça pue. Bud. On a oublié de le soigner. Allô, tu soignes Bud. Bud, tu es soigné comment? Déjà, phobie astronomique, c'est de la pâte. Santé. Mort dans 3 heures. Et je ne veux pas le garder, lui. Hein. Normalement, une femelle. Ah, on peut la garder. Si, si, on peut la garder. Bonne mémoire. Bon, elle n'est pas. Mais elle peut très bien faire. Là, je suis désolé, ma belle, mais tu vas. Madame. Tu vas faire Madame Pipi, hein. Bah, un peu de mêlée quand même. Mais. Aucune flamme, donc. Bon, on va te garder. On va te garder, on va te mettre. On va te recruter. Voilà. Et Sky, de toute façon, elle aussi, je vais la recruter. Voilà. On va lui mettre des fringues à côté d'elle. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a comme fringue? Elle a un casque. Ça, c'est pas intelligent. Bon, pour le moment, elle peut garder, ça c'est. Et toi, matériel, chapeau, ok, tu gardes tout ça sur toi, c'est bien. Et comme je disais, Sky, je te recrute, prisonnier, recruté, ok. Pat Médoc et Pat. Pat Médoc et Pat, ok. Bien. Alors, on va repasser tout le monde. Pour l'instant, on repasse tout le monde en normal. Donc, ils vont tous remettre. Pour le moment, ils vont tous remettre leur truc. Là, Dan devrait remonter. Dan, hein, je pense. Non ? T'as besoin. Voilà, ça. Hop, ça descend, mais. Tu viens de voir un cadavre, hein? Ok. Libellule, je suis désolé, ma chérie, de t'avoir gardé là si longtemps. Viens ici, et puis tu reviens ici. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux, ma chérie. Mais par contre, on ne veut pas aller dehors. Pour le moment, on va interdire. Et on va enlever d'un tramros. Intramuros, tout ça, c'est fini. Ah, on peut pas que tu viennes par ici.
Je n'avais pas besoin d'aller ici non plus pour le moment. Donc jusque-là, tout ça a bien tenu ici, donc pas un problème. Et on n'a pas dû utiliser nos petites bottes secrètes. On a franchement rien abîmé, quoi. Ok. C'est des bellules, t'as plus d'armes à distance, il faut que tu reprennes ton fusil automatique, ton fusil. Ici. Bon, c'est qui? C'est des bellules, hein. Ok. On va prendre ça. Alors. Est-ce que tout le monde est en ordre? Là, on a du lait. Il n'y a plus rien qui traîne. Bud est là. Il faudra aller nettoyer après dans sa chambre. Mais ça se fera tout seul. Sky, elle est occupée d'admirer. Tu as faim? Ok. Normalement, il y a quelqu'un sans doute qui va venir te porter la nourriture. On vérifie notre travail médical. Nourrir le patient, c'est au niveau 5, anarchiste. Donc, ça devrait se faire quand anarchiste sera d'accord de le faire. Voilà. Mais, il est 20h. Et tu veux aller faire ça. Ok. Alors, oui, n'appartient à personne, il me faut un lit, moi. Hein. Il me faut un lit. Alors, déjà, ça c'est le lit de Grizzly. Et donc, ça, ce n'est plus médical. Et Grizzly, tu vas faire autre chose. On va mettre ici le lit de... je ne sais plus qui c'était, là. On va voir. Maker, c'est pas là. Anarchiste. Voilà, anarchiste, c'est pour toi. Et Maker, ça, c'est le tien. Quelle température ici? 40 degrés, 24. Moins 4, c'est parfait. Et 2 degrés ici. Ok, combien il fait dehors? 60 degrés. Et on est le 2, hein? Pour le moment, on n'a pas encore pu faire grand-chose dans cette grosse saloperie qui nous pointe sous le nez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ok. On va pouvoir remballer un petit peu tout ce qui traîne, c'est bien. Les bélus, les vaches. Ok. Les... Tu retires ton casque, ok. Donc ça, c'est du médical. Et Maker. Ok. Ok, toi tu nettoies, c'est bien.
normalement, tu devrais aller nourrir nos patients. Alors, Grizzly, je sais pas pourquoi. C'est de ma faute aussi. Est-ce que tu as eu à manger, Bud? Bud, ça va? Et toi? Bon, il vous faut une table, de toute façon. Donc, on va déplacer une table ici, avec une chaise. Voilà. Il faut une chaise supplémentaire. Est-ce que j'ai quelque chose qui traîne, qui pourrait servir? Non, pour le moment, pas. Et donc, je veux une chaise, Madame Vache, s'il vous plaît. Vouliez-vous me faire ça? Repos 26, oui, effectivement, Vache. Ok, alors les lits ici, ces deux lits ici, non, toi, je ne veux plus que tu sois médical et je ne veux plus que tu sois médical. Et donc toi, tu vas aller te reposer à côté de ton petit mari, qui t'attend depuis un bon bout de temps. Ah, j'ai pas de chance, moi, mes cœurs. De boulimie, tu vas bouffer toutes mes réserves. Pauvre mes cœurs. Deuxième fois qu'il me pique une crise, lui. Avant, il avait fait une crise, il faisait rien. Et cette fois-ci, il me fait une crise. Ah ouais. Oh, un petit copain. Un petit copain. Bam. Anarchiste. Je me sens dans bon état, anarchiste. Allez, c'est mon gars. Voilà, on va goûter ça. Qui d'ordine, mon petit iguane? Tu vas vite t'en apercevoir. Voilà, transporte. Pauvre mes cœurs, je n'aime pas quand tu es comme ça, mon pauvre mes cœurs.
t'as dû foncer me chercher quelque chose à bouffer, mais mange plat raffiné. Ouais, va me chercher des plats raffinés. Heureusement qu'ils sont loin, hein. Hein? Allez, bouffe-toi. Ah, ils sont pas si loin que ça, tu restes là dans le frigo. Petit vicieux, va, hein? Pas mal à faire. Oh, vache. Et qui? Et petit? Ok, on va ajouter une chaise ici. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de leur donner à manger ou pas? On dirait bien. Toi, t'as pas eu grand-chose à manger, toi. Si, t'as eu à manger, donc c'est bon. Voilà, un petit chauve qui vient faire la papote. Capsule de cargo. Du plastacé. Tout ça de plastacier. Bien, ça j'en ai besoin, effectivement, mais je ne vais pas aller chercher sans me faire buter par les copains. D'autres qui sont loin quand même, hein. Je pourrais en envoyer un. Oh, ils sont loin. Ouais, je peux passer là. Me se risquer. Une balle de piqué. Ça fait 32 dégâts, si je ne me trompe pas, non? Ah, le piqué, ça fait combien de dégâts, cette saloperie, là? 15 de dégâts. Ouais. 35 de pénétration, hein? Ouais. Et ça vous stun. Ça fait un point et demi, non, non. Pas pour l'instant, merci beaucoup. Pour le moment, nous sommes très bien, comme nous sommes maintenant. Alors, donc, j'ai une porte ici, qu'on va garder ouverte, voilà. Tous ces trucs-là, on va éliminer un petit peu de là, parce que j'en ai marre de les voir. On est occupé de bien nettoyer tout ça. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. Il me reste 10 composants. On va faire quelques composants, normalement. On va donc réactiver ceci pour permettre, et ça c'est qui a fait ça, c'est Maker, ok. Donc, tâche, on fabrique un composant, c'est Maker, alright. Parfait. Par contre, on ne pourra pas faire beaucoup de... Bon, écoutez, il va falloir qu'on aille attaquer nos petits piquets. Il faut qu'on aille attaquer nos piquets et qu'on aille buter ce truc. Alright. Eh bien, on fera ça demain. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.